Comment vous allez? J'espère que vous êtes bien. So, we are back pour un nouveau vlog avec Kelly. Et nous sommes à Malte, comme vous pouvez le voir. C'est un peu une destination sur un coup de tête. On s'est dit, why not? Let's just go. Et comment vous dire qu'il fait hyper chaud. Il fait grave chaud, mais il fait trop beau. On a une belle vue et tout, mais de toute façon je vous ai déjà montré tout là tantôt, donc y'all already know. Avant qu'on commence, bien sûr abonnez-vous, likez, commentez et partagez parce que ça fait toujours plaisir. So yeah, what's the planning now? On est en train de chercher à manger. De base vous voulez manger au restaurant de l'hôtel, mais we actually missed the brunch et il y a que le dinner à 18h. On va pas attendre jusqu'à 18h pour manger, on aggrave la dalle. Donc we are just ordering food, hoping that the food is gonna be good parce qu'on connaît pas en fait. Et puis the planning for today, normalement de base on est parti à St. Peter's Pool, c'est une plage qui est plutôt connue ici à Malte. But dès qu'on est sorti de l'aéroport, il y a deux personnes qui nous arrêtent pour dire ouais, Café Danemark, caca. Parce que moi en fait j'avais déjà regardé Café Danemark, normalement on allait là-bas demain. But ils ont dit qu'aujourd'hui il y a grave une fiesta et tout le monde, donc on s'est dit comme on est à Malte et qu'on veut vivre l'expérience, why not? C'est ça, donc yeah, we're gonna order food, de toute façon je vous dis quoi dans quelques minutes. Guys, ok, our food arrived, on a pris des frites. She took a wrap. And I took a burger. Et après ça, on va juste aller marcher, faire un petit tour, and then on va se préparer pour partir. Un café d'Almar. J'espère vraiment que ça va être bien. J'espère vraiment que ça va être bien. So, guys, là il est, je sais pas, presque 17h, I think. Là, on va un peu se balader. Mais toi, tu mets tes fesses dans mon visage. Après, on revient s'apprêter pour aller à Café d'Almar. Ok, so, ready to go. Le glasses on, je me suis un peu parfumée, j'ai mis beaucoup d'oreilles. My hair is done. Ça là, après. Moi je porte là un petit short de chez Shein, c'est le short que j'utilise pour faire du sport. Mon haut, je crois qu'il vient de H&M, je suis pas sûre. J'ai mon petit bag qui vient de chez Guess, Maman Bought Me. Et puis des claquettes blanches que j'ai achetées chez Shein, and then. Vous pouvez dire à Yasmine qu'elle est pas aux États-Unis. My glasses. It's the roof and the glasses for me. Tu crois à Miami ou quoi? Bitch. On sait même pas où on va. Hein. On va juste marcher. Yeah. We're just gonna walk and see. Mais la chaleur qui fait dehors. On va aller là-bas. What's the bar? À côté de l'hôtel. Oh, c'est beau ici, hein. Attends, je vous montre. So guys, bon, la musique a peut-être un peu dérangé, mais on est toujours en train de marcher et on a vu ce petit bar qui s'appelle Morning Star, and basically it's happy hour now, c'est-à-dire que one drink for two. Donc là on s'est pris un margarita. Moi je sais pas si je vais aimer parce que j'aime pas trop l'alcool, je suis pas trop fan, but it looks nice. Donc attends, je vous fais vite fait le petit décor comme ça vous voyez un peu ça quoi ça ressemble, but it's really really nice. Just text, I know it's a toss up, but I hate the fact that we lost such a. The Uber pulling up on call. Tell me, is you trying to fall through? I'ma leave it up to you. We
what you wanna do? Look, I'm tryna spend this time with you. No, we overdue. What you doing right now? Baby, won't you swing my way? Okay, so we got our dream. I know I want you. Long time since the last time. So guys, we have our second drinks right now, la pia mojito, tasting something else. It's nice. T'as même pas fait de chin chin, tu veux goûter. Elle est trop pressée. Ça pète. Et en plus c'est super rafraîchissant. Et je fais ça. On nous fait comme ça là. Basically the view that we have à partir de notre hôtel. En fait, je me filme jamais de derrière. Non. Firmly walking. I wanna let me see you walk. Je l'ai dit. Walk. On nous a demandé si on était des mannequins, on doit travailler là-dessus. Hein. C'est ça. My camera is on 11%, donc elle va presque die. Die as well. Donc de toute façon on va pas tarder, on va bientôt rentrer à AD pour se préparer parce que we need to go to Saint Julian pour prendre un bus et aller chez Café Del Mar. Voilà quoi. Guys, so we're back outside. J'ai pas trop eu le temps de montrer mon OOTD and all that parce que en fait le chauffeur il est déjà là. Là on va à Saint Julian. C'est là-bas qu'on va prendre le bus pour aller chez Café del Mar. Hi, it's for Yasmin. Donc, je vous ai déjà montré le vibe foncé, sa patte. Hein. Je vous ai déjà montré des trucs. So, nous là, on est dans le taxi. It's a really nice car. It looks like my old car. La Juke que j'avais avant. So, we're going to Saint Julian right now. On est trop belle. Kelly. Oh. Self-centered, vraiment. Wow. Voilà quoi. On se voit quand même semblant de. Hey guys. Little recap. Donc là, on est arrivé à Saint Julian. Le promoteur, il est là devant nous. Bus is over there. You just need to cross. Okay. Those ones. Okay. Thank you. See you tonight. Bye. Yes. Bye. Bye, bye girls. Bye. Enjoy. Thank you. Donc là, on va prendre le bus. Excusez-moi, c'est pour Café Del Mar? Ouais. C'est le ticket pour là. Ah oui. Ouais. So guys, là, on est dans le bus. Okay, the Asian nigga. Ouais. Il y a des gens qui vont vous accoster tout le temps. Like, ils nous voient. Bonjour les filles, vous venez d'où? Vous voulez faire quoi? En fait, j'ai juste hâte de faire Café Del Mar parce que. On a vu ça en photo et c'est vraiment d'art. Donc voilà. Expérience, hein? I mean, you're living, hein? Allez, à plus, les gars. Si tu mets ça dans ton blog, je te jure. Hey, j'aime trop. Pour une fois, je fais une danse. Depuis les années lumière, je sais toujours pas faire le guaraguara. Là, j'ai maîtrisé une danse. Don't play with me, bro. You guys, so. On est quelques heures plus tard, on est rentré à la maison. Comment dire que c'était vraiment très ennuyant. Enfin, en fait, non, je m'y attendais que ça allait être une musique très techno. Mais voilà, c'était un peu nul. On va pas mentir, c'était un peu nul. C'est dommage parce que l'endroit est vraiment hyper beau. Et de base, je voulais y aller demain. Mais juste dans la journée, tu vois, pour aller manger un truc et tout. Boire un petit verre et puis se casser, tu vois. Mais comme on voulait vraiment l'expérience de Malte, on s'est dit, c'est quoi, on va juste aller genre à leur fête et tout et on va voir comment c'est. Demain, on a d'autres activités à faire. Normalement, on va aller on a boat trip. Moi, je vais aller Naz. J'attends que madame ait fini de se laver. Et puis, je vais aller Naz parce que je suis vraiment fatiguée. Je vous fais des gros bisous et on se voit demain. Peace. Hey,
guys, good morning. J'espère que vous allez bien. Il est quelle heure là? Il faut qu'il soit 7h20. Il est 7h10. On se réveille à 6h30. On va aller manger, enfin, on va manger notre petit déjeuner. Et puis vers 8h20, on doit quitter parce qu'on doit aller to another place. Like, c'est l'autre côté de l'island où tous les boats quittent, entre guillemets. J'espère vraiment que. En fait, ils ont dit on the weather that is going to be windy. Quand t'es en ville, ça va, tu vois. Mais when you're on a boat, the wind, bitch, ça te frappe, tu vas comprendre. You didn't even say hi to my phone. Hi guys! Je suis réveillée à 7h10. Me. Marry me, guys. Je suis prête. Bon, on est là? Ouais. Told you you so extra. But I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my. All good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me what we on a day, babe. I could keep that same. Guys, so on est prête. Enfin, pratiquement. So Kelly's wearing a little white dress. Oh, she is. Yeah. Et en dessous, elle a son maillot. Like me. Donc moi j'ai aussi une dress blanche qui est un peu transparente, I didn't know that. Et j'ai mon maillot mauve en dessous, as you can see. Donc on va quitter là même pas dans 2-3 minutes parce qu'on va pas être en retard, ils ont dit qu'on doit être là-bas 45 minutes avant. Yeah, so on va y aller, so we keep you guys updated quand on y va. So là on est arrivé à the ferry. I think the boat that we're gonna take is this one, Sea Trip. Je suis pas très sûre. Hi, are we at the right boat? Because we actually don't know. Shoes off? Yes. On va faire le check-in là-bas. Hi. I have a QR code here. Yes, I can. Can we show you barbecue? Thank you. Guys, we are on the boat. But yeah, we are living life. C'est tellement, tellement beau. Je filme un peu. Mais normalement, vous avez déjà un peu vu. But it's really nice. Vraiment, on mérite, hein? Je te jure. Oui, loving it. Voilà. C'est mis à Londres. Parce que c'est bien beau, hein? C'est ça, mais on va quand même rester ici pendant 6 heures. Okay, c'est de 9h30 à 15h30 avec drinks et barbecue y compris. One tip, si vous faites ça, venez vraiment à l'heure. Comme ça, vous pouvez quand même bien choisir votre place et tout. Non, non, parce que quand on est venu, on avait 10 minutes de retard. Ouais. 10 minutes de retard, il y a là des gens. Donc. Yeah, be aware of on a that. Bien fait de venir maintenant pour qu'on aille sécher. Quand on part, ben on vous dit quoi. En fait, on a posé ça quelque part, bien. So, we're basically wearing the same. Ouais, on porte un petit haut qui vient de chez Shein. Et puis le bas, c'est un bas comme ça. C'est 3-piece, guys. Yeah. Avec des fous et tout. Elle a pris blanc, elle a pris mauve. So, we're gonna get some drinks qu'on va montrer après. C'est hyper beau ici. Et puis, elle a aussi go and swim. Donc, je pense que moi, je vais faire ça maintenant. Je vais rentrer dans l'eau et tout. Ouais, c'est trop beau. Vraiment des vacances de fou malade. J'avais trop peur qu'il allait faire moche et tout. Il y a un peu de vent, mais c'est magnifique en fait. C'est mieux. C'est même mieux parce que sinon il allait faire trop chaud. Donc je suis trop contente. Ah, je vais voir ce qu'elle aurait fait. Je vais se fermer. Get through to you.
baby, this is what I'll do. I'll do. Come on, baby, love you. On n'a pas pris vraiment de update, but we're back on the boat. Happy comme jamais. So we went in the water, on a pris nos drinks, we're back in the boat. Il y a le barbecue là-bas que we're gonna eat, and then on a fait un deuxième stop. Je pense qu'on va rester ici jusqu'à 13h30 dans l'état. On a jellyfish, bro. On va manger, j'ai faim. Bon, on va faire la file parce que we need to eat. I slept a little bit, so I felt a little bit better. Le soir, on va aller manger, so we still have time to like shower. She's gonna take a nap. I'm gonna edit. Et voilà. Alors là, on va chercher le taxi, je sais pas. Attends, prends mon téléphone. Ah, il est là. Ok, let's go to the hotel. Guys, makeup done. Comme d'hab, c'est un makeup hyper simple. Et je vous montre vite ma OOTD que ça fait time now. But... Donc, je porte this dress. Cette dress, elle vient de chez Shein. Voilà. I paired it with this bag qui vient, je crois, de H&M, je suis pas sûre. Ces heels viennent de chez PLT. So this is the whole fit. C'est un peu noir, I'm sorry. Kelly, elle est dans la salle de bain, je sais pas ce qu'elle fait. On doit partir, because we made a reservation for 9. And it's already 9:10, so on est un peu en retard. But j'ai déjà appelé pour dire qu'on va arriver un peu en retard. So j'ai faim, that's for sure. J'ai grave faim, j'ai hâte de manger, de voir ce qu'ils proposent. Bon, j'attends que Kelly sorte. And then I'm gonna order an Uber. Je dois re-retirer a little bit of cash. En fait, ici, c'est vraiment le taxi qui nous bouffe tout notre argent. Parce qu'aujourd'hui, on a dépensé moins 40 euros pour le taxi. Et enfin, c'est aller-retour. Parce qu'on a fait le boat trip. Mais que vu qu'on part, enfin, qu'on part manger, it's gonna be 10 euros again. So, on a dépensé 60 balles pour taxi. Sans y compris tout ce qu'on a mangé, tout ça. Donc, c'est énorme. Bon, quand tu pars quelque part, obviously, t'as un budget. Hein, so, you make it possible. Après, there is also a way to like commander une voiture et tout. Mais flemme de mettre l'essence, déjà de 1, flemme de conduire, déjà de 2. Et flemme de commencer à trouver des places ici. J'aime conduire, hein, but on va éviter de faire des accidents. Mais moi, I'm ready, hein. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ok, ah, et tu dois mettre ce que tu portes. Ah ouais. Donc, je porte un tube top de chez Fashion Nova, with the bag, comme ça. Après, je porte la jupe aussi. Pourquoi j'ai dit Fashion Nova? De chez Shein. Après, je porte la jupe aussi. Rushed, and then France, aussi de chez Shein, and then I have the shoes with straps, this time for Fashion Nova. Bon, on va faire un peu de content for you guys on Instagram, et puis, on voit plus tard. Bisous! Found myself inside all this tension, a feeling I never was expecting. I don't see the pros, don't know the cons, forget the whys. Do you know why? Hey guys, so on vient d'arriver au restaurant. Je vous ai montré l'endroit. C'est hyper mignon. It doesn't work. C'est hyper mignon, c'est vraiment hyper beau. I really like the color, the vibe. En plus, le restaurant s'appelle Noir. On a déjà commandé. We have our drinks que je vais vous montrer. And then we took food. Moi j'ai pris des ribs. Elle a pris des lamb chops.
c'est notre premier restaurant ici à Maz. Parce que normalement, de base, hier, on allait aussi aller au restaurant, but the planning changed, so c'est pas si grave. Et encore une fois, tout va être en description, comme d'hab. Donc voilà. We say Patil official. Okay. Ciao. I tell them. How long you stay here in Malta? We're here till Monday. Oh my god, woman of God. Nice to meet you, Dallas, Texas. Amazing, you're amazing girls. Really. Thank you. Enjoy. Thank you. For depositing 750 for the sound wave to get it prices. Won't stop till that shit weighing down my pockets. My main thing's still my main thing. She a blossom. When she eats the pain with the brain, she a doctor. She open up, then a thing thicker than the plaid gets. Swear that shit is awesome. Sight for the optics. Young nigga on top. Nike's all I'm rocking. So that all they see is checks from with a head to where the socks fit. No logo on the bifocal. Flicking no roach tips. Won't even show my face until all the shows. But need the cash in advance. Leave them all social. Yes, yes, yes. She wanna do drugs, smoke weed and drunk. Sana sana, sana sana, we don't make you manya manya. Là il est temps de rentrer. Si on regarde gauche-droite, il y a deux caméras filming. So, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, hein, with the clips that you saw, tonight was actually, yeah. Wow, tonight was actually 10 sur 10, mm-hmm. Sans faute. Alors du coup, ce qui s'est passé, petit story time. Après le resto, en fait, c'était à Saint Julian. Yeah, Saint Julian. Et en gros, d'après TikTok, c'est un quartier où il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de things going on. Et quand on arrive au resto, après le resto, on s'est dit, bon, let's walk around and check it out a little bit and see what's going on around. Alors là, on monte et tout. Et il y a plein de bars des deux côtés. Et c'est une petite ruelle, hein, c'est pas grand. Donc t'entends ici, t'entends là-bas, au-dessus de... On entend un bon beat. Un truc qu'on aime. Je crois que c'est une chanson de Chris Brown. C'est ça, j'ai fait Kelly. Ça, c'est un truc qu'on aime, non? On commence à chercher, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Et finalement, on trouve comme ça, genre, un chicha bar. Un truc comme ça, et on se dit, ah, ça doit être là. Ouais. Donc on monte et tout, et c'est effectivement. On a tapé dans le mille, hein. Ouais. On a tapé dans le mille. Il nous a très bien enjaillé. On a bu un verre chacune. Comme vous avez pu le voir, on s'est archi bien amusé. It was really fun. Et là, on se dit, bon, we're tired, let's go home. We walk out of there. On commence à marcher. C'est là que la story devient intéressante. Si tu quittes la vidéo, c'est ton affaire, tu rates. Donc on commence à avancer. Et je vois un gars, je vois un Renoir et tout, qui marche dans la direction de Yasmine, mais elle l'a pas vu. Donc je lui dis, le gars ici derrière moi, il veut te parler. Elle me dit, oh, elle commence déjà à bailler. Alors on marche, on accélère même le pas. Hein. Quand on commence à marcher. Puis je vois le gars aussi, il accélère le pas. Je me suis dit, oh my god. Est-ce qu'on peut vouloir parler à des meufs comme ça? Hein? J'entends seulement, excuse me ladies. Il commence à beaucoup parler, bref.
Et c'est pas entre deux phrases, il nous dit que non, il y a une soirée africaine où il y a beaucoup de noirs, let's go there. En plus, c'est comme ça qu'elle m'arrête. Parce que moi, j'écoutais pas, j'étais vraiment en train de marcher, j'étais déjà en train de chercher un taxi. Elle dit, Yasmine, African party. Elle fait quoi? C'est pas, on voit un club, on voit déjà dehors beaucoup de noirs. On arrive là-bas, premier son à ma piano, excuse me, de ma playlist, s'il vous plaît. On doit être là-bas, on je voit son qui, cousin, mon cousin, en plein milieu de la piste. Mais comment on peut dire qu'aujourd'hui, ça a trop pété. Vraiment, on se faisait des câlins et tout, tellement voilà. Je te jure, on se dit je t'aime, je t'aime. Anyway, guys, nous on va aller dormir. Ouais, là, il est presque 3h. Non, il est 3h10. Il est 3h10, donc on va aller se reposer et on se revoit demain. Demain, encore un autre planning, je pense que vous avez vraiment kiffé. Bisous, bonne nuit. Mouah. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, we are back today. On est le troisième jour aujourd'hui, troisième jour du vlog et troisième jour à Malte. Comme vous pouvez le voir, on n'est même pas à l'hôtel, quoi que ce soit. On n'a pas pu faire l'intro, je suis désolée les gars, parce qu'on est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment à la bourre. On s'est réveillé plutôt tôt, on s'est réveillé à 8h30. Mais le temps qu'on aille manger et tout, ça nous a pris un peu de temps et on devait prendre the boat à 10h30 en fait. So, je vous explique un peu vite le planning. Aujourd'hui, on va dans une autre île, mais qui s'appelle Gozo. Et là-bas, enfin, on va faire en fait des activités. Donc, on va aller d'abord voir une cave et après, on va aller faire des quads. Donc, I'm so excited for that. Donc, voilà. De toute façon, on vous dit quoi quand on est là-bas. On vous montre un peu l'île parce que là-bas aussi, c'est très beau. C'est un peu différent de Malte, mais it's really cute there too. Mais voilà, Kelly, elle est là. Hey guys, I know you missed this beautiful face. Donc voilà, on voit quand on est, quand on arrive à Gozo. Hi guys, so on vient d'arriver à Gozo. C'est hyper beau. L'île est vraiment différente que Malte. Hein. Ouais. C'est très montagneux. Ouais, montagneux. Et là on est que au port. Hein. Ouais, on est même pas au port. Rentrer. Donc là on va prendre un Uber pour aller à la cave, which is not that far. En fait, on a grave le temps parce que les quads les commencent à 14h et 12h. Donc, we have 2 hours. Donc, on va aller à la cave. On va juste se poser là-bas. Take some pictures, see of the course. View. Ça peut pas manquer ça. Ça. If you don't film it or you don't take a picture, it never happens. Mm-hmm. Ouais, on va faire ça. Et on va juste profiter. Il fait hyper chaud. Regarde comment je commence à cramer. Oui, oui. Tu vois ici? Wow. Il fait chaud les gars. Mais bon voilà, on va prendre le Uber and then on va vous voir when we are at the caves soon. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. Cause you're all that I crave, so I wonder. So les gars, là on vient de prendre notre petite photo. Je crois que je suis contente, je crois que j'ai une photo que j'aime bien. Et vous voyez comment je bronze. Putain, becoming un noir là qu'on aime beaucoup. The melanin is melanining. Like it's supposed to be. On a fini les photos, elles sont grave belles. De toute façon, suivez-nous sur Instagram like always. Là on va retourner to the ferry, which is like 15 minutes drive maybe. Mais le temps qu'on marche et tout nanana, parce que on doit quand même arriver là-bas vers 13h30. So we're gonna go back. It was really nice. C'était vraiment hyper beau. Je vous recommande de venir ici. C'est vraiment beau. Vous allez prendre des belles photos et vous avez une hyper belle vue. Quand je vous dis que la nature est trop belle et il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc là on attend le taxi. Je crois qu'il est là. Hi. Hello. Ouh. How you doing? Not bad, thank you. Right? Yes. À base, on savait même pas où on allait se changer, on s'est changé juste là-bas. Oh là là, mais bon, c'était vraiment nice, I liked it. C'est vraiment hyper beau, vraiment, I recommend to come here. Bon, on s'attrape quand on est au quad. Bisous. T'inquiète, so, guys, on est arrivé au quad. Comme vous pouvez voir, on a nos masques et tout. Enfin, on a nos trucs et tout. Regardez Kelly.
Aïe. Le code il est là. Finalement, de base on voulait prendre. Je voulais prendre genre deux quads et tout. Mais mon permis il a expiré. Ouais, juste avant que je vienne. So I'm the only one who can drive. On va aller sur les quads et on va essayer de filmer avec nos téléphones parce que c'est trop dangereux avec les caméras en fait. Ouais. Donc voilà. Petite update, on va y aller. Bisous. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de 100, pero tengo los míos, hermano. Aquí estamos todo bien. Yeah. Hey. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, tú dices. Me gozo la vida, pa' mí. Cuando necesita muleo, sé que te pone coqueta. Porque no busco trabajo, al menos vendiendo paletas. Gozo la vida, trabajo, lo tuyo no te compro metas. Me gusta ni... Guys, là on est arrivé. I think it's the first stop, genre c'est une petite plage. Ouais. Comme on a grave faim, ben on s'est arrêté. A little stop, c'est à la mer. C'est grave cool. On a parqué là, le petit quad là, on savait pas trop où parquer parce que ça avait des montées, des descentes et tout, c'est bizarre, c'est scary. Mais sinon c'est vraiment cool, vraiment je vous recommande de le faire, c'est trop bien. Donc on va aller vite faire manger un petit truc, boire un petit truc. And then continue parce qu'on a, on a le temps jusqu'à 17h en fait. Donc we have time de se poser et tout, donc that's very nice. Un peu reposé. On est en train de digérer vite fait parce que les quads là, on commence à vomir ici là. Je vous avoue que j'ai bien mangé, j'ai sommeil. Hein. Je pourrais me taper une siesta. Ah, I'm tired. Tu fais grâce à ça, tu comprends plus rien. Yo guys, so les quads sont finis. It was really nice. Gozo, un truc est sûr, c'est que moi, pour moi personnellement, Gozo c'est plus beau que Malte. L'île de Gozo est vraiment magnifique. J'aime bien les hauteurs et tout, non, so it's really nice. Donc ouais, au final on a fait 3 heures, un peu plus de 3 heures parce qu'on est arrivé ici plus tôt. Les gens sont hyper gentils, ils t'expliquent comment faire et tout, non, comment conduire. Encore une fois, toutes les informations vont être en description avec les prix, tout ça. Mais ce que nous on a pris, c'est les quads pendant 3 heures. C'était 50 euros avec 100 euros de deposit, donc tu lui donnes les 100 euros. Et puis si tu reviens avec le quad en bon état, il te redonne les 100 euros en fait. Et en plus de ça, quand tu arrives à The Ferry à Gozo, ils viennent te prendre. Et maintenant là par exemple, ils vont les déposer et tout ça c'est dans les 50 euros. Mais vous pouvez aussi choisir, il y a aussi des buggy que vous pouvez faire. Et vous pouvez aussi choisir pour faire au lieu de 3 heures, 5 heures. Donc en fait c'est comme vous voulez, mais sinon, nickel, j'ai trop occupé. On rentre à la D1, on va naze un peu. Après ça on va se préparer pour aller manger et puis on va shake asses. Et ah oui. Ah, j'ai l'air. Non, non, je sais plus, mais trop belle. Je cadre trop bien, moi. Regarde comment tu m'as cadré. Regarde. Kelly, c'est trop beau. Regarde ça. Non, moi je me trouve pas drôle. Look. This is... Tu vois? Guys. Nous sommes de retour pour une story time, vous savez que c'est ma spécialité. We were there, on est là, minding our business. C'est pas, il y a une dame qui nous approche. On la voit et tout, excuse me. Et alors elle dit, depuis là tantôt, je vous regardais et tout, et je voulais vraiment vous dire. Et en fait, elle me regardait moi. Donc je me suis dit, oh, elle va me complimenter. Donc je préparais mon meilleur sourire, les gars. Mon meilleur, oh, thank you, that's nice. La go me dit... Là, Toto, je marchais derrière toi, et franchement, like, you look like you have nothing on. Et en fait, quand elle a dit ça la première fois,
I didn't register the information. Quand elle a dit, you look like you have nothing on, in my head, I was like, oh, elle veut nous dire, on a l'air de pas avoir de problème. Yeah, I was walking behind you. Je marchais derrière toi depuis. Et j'ai vraiment dû me rapprocher pour voir que t'avais porté quelque chose. Parce que franchement, la forme et tout, c'est trop serré. Et je me suis dit, mais cette fille, on va l'arrêter. Pourquoi elle marche comme ça? Du coup, je sais pas trop comment réagir. Je suis en mode, oh. Parce que dans ma tête, je me dis, ok, est-ce que c'est bienveillant ou c'est méchant? J'ai même pas le temps de finir my thought. Qu'elle se retourne vers Yasmine et elle dit, I love your lashes. Trop Cécile. J'aime trop tes cils. Je fais, oh, merci, tu vois. Après, elle me dit, je suis sûre que quand tu clignotes, ça fait du vent. Quelle pétasse. Oui, elle est venue vers les deux seuls noirs. Elle nous a clashé. Et elle est venue nous clasher. Et puis la dame, elle finit et elle part. C'est comme ça que le diable vient et il gâche ta journée. J'ai dit sans effet au nom de Jésus. Nous, on prie tous les matins ici. Tous worship les and matins. Pray. On l'avait déjà rebuked depuis le matin. Elle est venue, elle a essayé, elle a échoué. Il y a un couple à côté qui nous dit, what just happened? Et du coup, le couple nous demande, hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Did she say something? Et on a dit, bah oui, donc on leur explique en deux spies. Et ils ont dit, ouais, non, ne vous inquiétez pas et tout. You guys look very nice. You guys look very nice. And see, ça this is how God sends his angels. Fin de la story time. Là, on doit s'apprêter. Il est 20h30. On a réservation au restaurant dans une heure. Guys, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On revient tout de suite and we'll be ready. Bisous. Bisous. So, guys, nous sommes quelques heures plus tard. Allez, ma make-up. Real quick. On s'est vraiment préparé vite pour une fois. J'ai fait une queue de cheval. J'aime bien. Et je porte cette dress. C'est une dress comme ça. Et le dos qui est ouvert. J'ai porté mes talons noirs parce que je marche hyper facilement avec et je prends mon petit sac noir. And then we go. Le planning d'aujourd'hui, c'est qu'on va les manger. On va revenir. On dépose nos talons et puis on repart pour la soirée du soir. Quand on est bien lit, par contre, on va pas ramener nos caméras parce que I'm sorry, hein. Fais un peu un bon, hein. Fais un peu un bon. Ah, ils sont là. Ok, je me mets des hoops. Parce qu'à faire naked, j'arrive. Je sais pas si avant était like. Bon, ça donne, hein. On attend qu'il y ait et puis on se casse. Merci, hein. Wow. Bref, là les gars, on est arrivé au restaurant. C'est le restaurant de l'hôtel Giuliani. C'est vraiment très très nice. Je vais vous montrer un peu le vibe, comme ça vous voyez, c'est really nice like it is. Donc on a commandé. Tu sais c'est quoi house. Que ça va? C'est le pondou. Oui. Ah, c'est bon. Les gars, on nous a ramené un petit bol. With, I think chips, something like that. C'est très bon. En tous les cas, on va vous montrer when we get our food. On a pris tous les deux du riz. She took curry, moi j'ai pris beef. And she took like curry chicken et moi j'ai pris beef. I never tasted. On sait pas du tout ça. Ouais, on va goûter. Hein. Vraiment goûter la question. Parce que frites, poulet, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Il y a assez des pâtes, tous les jours. On a un peu fatigué en fait. Hein. C'est hyper rapide. On vient de commander. Je comprends pas. Moi aussi. J'ai oublié ça. Let me try the beef. C'est bon? Strawberry mojito. Depuis que je suis arrivée ici, c'est tout ce que je vois. Je sais pas pourquoi. Vous avez pas beaucoup de choses, sinon. Ah ouais. Et Kelly. Yes? This is so good. Je regarde, j'en suis dépassée, je sais même pourquoi faire.
On a fait des belles photos. On vient de finir prendre les photos. Elles sont magnifiques, elles sont trop belles, je suis trop contente. De base, moi je voulais juste directement go and shake asses. But elle a mal au... Elle a mal au pied. So. Jure, je suis pas semée. Non? Je suis pas semée. Pas semée quoi? Non, je voulais pas semée. Moi je peux mettre mes babouches. Ah, on est dead. C'est vraiment plus. On va vite fait rentrer à la D pour changer nos chaussures. Put something un peu plus relax. Comme ça, on peut bien danser. Si. Thank you, Tom. Thank you. Je vais pas montrer ton quotidien en fait. Ah ouais. Donc ma robe elle est de chez Shein. Elle est pas très bien repassée parce qu'on avait pas le time. Mes chaussures elles sont de chez Fashion Nova. Et mon sac aussi il est de chez Shein. Je l'ai acheté l'année passée. So, I'm at the lobby right now. Kelly est en train de faire des photos dans l'ascenseur. Moi ça va. I'm fine. Je suis déjà. C'est dur si on peut prendre un Uber back to the home. En fait, Kelly elle a mal au pied avec ses talons. Moi ça va. En vrai, je pourrais tenir toute la soirée avec les talons. Mais comme elle a mal. C'est ma tête, c'est pas si grave. Mais c'est quand même 8 balles pour l'aller, et puis 8 balles pour revenir, et puis 8 balles encore pour repartir en fait. Donc on est vraiment en train de dépenser notre argent pour le taxi, c'est abusé. Tu saoules. Toi t'es un hater. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away. You guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes, I think c'est le quatrième jour. Hein. La journée commence plutôt tard. Souvent, quand on commence à vous parler et tout, il est grave tôt, genre 8h, 9h et tout. Enfin, pas tard, mais quand même plus tard que d'habitude. Il est presque 15h, je crois. On va aller. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment tranquille parce que on a enchaîné des réveils tôt. Donc, on est un peu fatigué. Hier soir, il s'est passé quoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas filmé l'outro, entre guillemets. Hier soir, on est revenu à la maison. On s'est posé pendant une heure. Et puis, ça, on est reparti en soirée. And it was actually lit. It was really fun. Obviously, we had more fun the day before. Mais c'est vraiment cool. Un truc, hein, quand vous êtes africaine, quand vous venez ici. Soyez pas étonnés que vous allez vous faire aborder par plein de mecs. Mais sinon vraiment c'était grave cool. We had a lot of fun. On est rentré et puis on a nasé directement. Aujourd'hui le réveil était aussi compliqué. Vraiment au petit déjeuner était vraiment genre à moitié à mort. Like it was so bad. Et puis moi je me suis rendormie. Kelly a fait le montage, bravo. Elle a presque fini. Et donc là on va, comme j'ai dit, on va à St. Peter's Pool. C'est une plage ici à Malte qui est très connue, qui est aussi très très beau. Donc je vous recommande d'aller là-bas. Je vous montre moi au TD. Je porte cette robe qui vient de chez Shein, hein. Cette robe, elle est trop belle, j'aime bien la couleur. Et puis j'ai ce petit sac vert que j'ai reçu pour mon anniversaire, comme ça, avec des petites claquettes noires et c'est tout. C'est bien hyper bien. Et puis on est basically ready to go. Voilà, on va y aller. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options, I ain't take your options. Nah, I'm not the problem, man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. I knew you lost your mind when you dropped. So, on vient d'arriver à St. Peter's Pool. Elle est fâchée. Elle est douce. Elle est fâchée parce qu'en fait, en vrai, de vrai, c'est grave beau ici, vraiment. Mais le temps est pas top top. Il fait chaud, mais il n'y a pas de soleil parce qu'il y a beaucoup de nuages et tout. Donc, it's not giving what it was supposed to give. Venez un jour où il fait vraiment. Genre, I see the vision. Yeah. Je vois qu'ils n'ont pas menti en ligne. Genre, c'est vraiment beau. Mais c'est vraiment pas le bon jour ici. Moi, je crois que personnellement, je vais rentrer. Parfait. Dans le. Je vais quand même. Je suis pas folle. Ça. Je l'ai touché, je l'ai touché. Ah, il me suit. Il me suit. Il me suit. Il me suit. Il me suit.
putain, j'aime pas les insectes. Les gars, je me suis changée. J'ai mis mon maillot. Le problème, c'est que en fait, comme je portais un truc vert en fait, qui était très fluo, ça attirait en fait les abeilles en fait. Et le pire, c'est que normalement, j'ai un bas de ce maillot, mais il s'est cassé en fait. Pourquoi je suis en string? Heureusement que j'ai cette jupe pour couvrir, parce que vraiment, sinon j'aurais vraiment séché. Mais le truc, c'est que là, je sais pas si j'ai envie d'aller dans l'eau, tu vois, parce que comme j'ai pas de maillot et j'ai que ma culotte, like, c'est chaud. Donc voilà, là on profite, on va juste kiffer un peu. Je commence vraiment à avoir faim quand même. So, je crois que je vais peut-être monter après pour prendre un truc parce que Kelly elle veut pas monter. Guys, on rentre. J'ai gagné. On est en train de rentrer. Elle se bat avec les mouches devant. Parce que je sais pas pourquoi elle se fait grave attaquer. Je sais pas si c'est son parfum, mais elle se fait grave attaquer par les mouches, par les abeilles, par tout. Tout ce qui vole, wesh. Là, on rentre à l'hôtel. Franchement, j'étais bien, hein, mais. Not my vibe. We're going back to the hotel and I'm hungry. So I don't feel like chilling. I feel like eating. Bon, elle sait pas que j'ai filmé, donc elle va aussi parler et venir faire son petit update. Je voulais juste que vous voyez ma tête. So, okay. Guys, c'est ça le OTD. Madame, elle porte. Je porte un two piece de chez Shein. Bon, c'est un one piece maillot avec le par-dessus qui va avec, mais as you can see, je ne l'enlève pas parce que moi, je suis conservative like that. Et moi, je porte un petit maillot qui vient de chez Shein aussi. La robe, non, pourquoi je dis robe? La jupe aussi de chez Shein. Cause you know, we also a bit conservative. Vraiment, a bit, un très bit, a tiny bit. Et puis j'ai a little bit, c'est ça. Et j'ai les babouches. Just a bit. Aussi. C'est bon. On m'a compris, frère. Et donc voilà, on va partir. J'ai oublié que le soleil il tape trop bien ici. On va y aller. Moi je suis allée à la piscine. We go to the rooftop right now. Putain, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Dis comment tu as agité. Non, parce que. Hey! Est-ce qu'on peut aimer un gars comme ça? Je vais couper ça. Guys, on est arrivé. À la piscine en haut et je vais pas aussi vous montrer parce qu'il y a beaucoup de gens ici en haut et tout le monde est en maillot et tout l'un, donc on va quand même respecter la pudeur des gens. C'est un peu impoli de commencer à filmer parce que les gens sont venus pour se reposer, pour se reposer, peut-être même pour se cacher. Peut-être qu'il y a des couples ici qui sont là. Il y a exactement vraiment des couples, c'est ça. Donc on va pas commencer à filmer des gens, peut-être ici. C'est des sneaky links ici. Donc voilà, on va prendre des drinks comme d'hab, on va aller prendre, on a dit comme d'hab, and just chill, pour prendre un petit moment, on va pas trop traîner, on va faire quelques photos aussi et puis on va se préparer pour aller manger parce que j'essaie d'appeler Skybar for like a little moment now, ça raccroche à chaque fois, donc c'est pas on arrive là-bas, oh il y a pas de place parce que j'essaie d'appeler. Okay, je vais les insulter, hein. So, en plus il fait bon, il fait pas trop chaud aujourd'hui. Bon, après à Skip il fait 29 degrés, je les sens pas, je sais pas si je les sens pas parce que le soleil tape pas, mais en fait il fait, l'air est un peu bon. Lourde, mais c'est lourd, c'est lourd. Lourd. Un vent. J'ai dit l'air. Un air. I went back thinking that, tu vois le bar était là-bas. J'ai vu le truc de massage et tout. Ah, meuf. Les gars, toi t'es parti prendre des boissons, tu reviens avec les trucs de massage. Tu aimes les vibes, hein? Les gars, mon teint. Non, j'en peux plus là. Je savais pas que je peux encore être plus belle, fic. Mais on peut faire un spa de 30 minutes, hein. Ça va. Ou même une heure. Ouais, on peut, hein. Ça va. Et les boissons, ça dit quoi? Ça arrive. Ah, ok. Ouh, you made two strawberries? Yes. He's allergic. Ooh, I'm allergic, I said a normal one. Without alcohol. Two drinks. Et? Ça m'a, le sucre est arrivé jusqu'à l'oreille. Ça m'est même parti, elle avait. Thank you. This one is on the house. Thank you. Mais j'espère qu'il a pas mis l'alcool. Ok guys, so on est plus tard. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il est quelques heures plus tard, il est 20h30. Qu'est-ce que je raconte? Il est 20h50. On va quitter pour aller au restaurant, au Sky Bar. Ce qui était bizarre, c'est que j'ai pas trouvé de menu en fait. Du coup, je sais pas ce qu'ils ont à offrir à manger là-bas. Et je commence vraiment à avoir faim. Parce que, en fait, le seul truc qu'on a mangé aujourd'hui, c'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. J'ai mangé une glace là tantôt. Et c'est tout en fait. Donc, j'ai vraiment faim.
On s'est préparé, j'ai mis une petite robe que je voulais grave mettre depuis longtemps. En plus, elle est trop belle. Je la montre vite fait. Donc c'est cette robe rouge, non, cette robe rose rouge très sexy qui vient de chez Shein. Je la trouve magnifique. Donc là j'attends Kelly, je sais pas ce qu'elle fait là devant. Je l'attends pour qu'on puisse partir and go to Skybar because I'm so hungry. Je sais même pas si c'est loin ou pas. Et en plus de ça, je dois retirer de l'argent. Viens. Donc, il y a Elio qui m'envoie un message pour me dire il était à St. Peter's Pool. C'est pas lui qui mettait la musique. C'est possible. Ok, je regarde en fait. I'm wearing cette combi de chez Shein. Elle est magnifique, guys. Regardez comment elle est. Elle est un peu, on appelle ça quoi? Maillot material. Mm-hmm. Yeah. On dirait pas, hein. J'aurais dit que c'était genre un autre. Non, on dirait tissu un peu. Hein. Yeah. And then the back. Can we talk about it? Ça a une fermeture ici et une fermeture ici et le reste du dos, bah, dos nu. Mm-hmm. Et puis là, le pantalon, quand même, il arrive high. Ça aussi, et puis t'as le reste du dos. Cute, mama, cute. Thank you. This is for me. She's not wearing heels today. No, I'm not. Me, I'm staying. C'est trop fort, monsieur. Même moi. Heels. Non, moi heels. I'm hungry. Non, moi heels. Heels de fou malade en fait. Mais ça est pété with heels. Ouais. My outfit, do you see it? Yeah. Tu es vraiment très belle même, mais bon. Bon, t'es prête? Yeah. Can you move from the frame, though? Le daron, il pensait qu'on partait aujourd'hui, wesh. On voit un message, il dit déjà dans l'avion. Les gars, on est dehors. En fait, je crois qu'il y a une fête à Malte, je sais pas c'est quoi. Bien, ils font ça tous les dimanches, hein, je sais pas. Mais en fait, toute la rue, elle est bloquée. Donc là, on est au milieu de la rue, en fait. On vient d'appeler notre taxi, mais en fait, je sais pas comment il va arriver jusqu'ici. So, he's here in like a minute. Je crois qu'on doit se mettre jusqu'à la fin de la rue, en fait. Mais après, je sais pas de quel côté il vient. C'est très truc. Tu sais que je peux vraiment faire une photo ici, hein. Mm-hmm. Tu veux vraiment faire une vidéo ici, hein, tu vois, comme ça, là, dans la rue. Oui, oui. Kelly, je te donne des idées, tant vraiment, tu n'y réfléchis pas. Oh là là. Moi j'ai faim. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu veux de derrière ou de devant? Il y a tout un monument ou je sais pas quoi là-bas derrière. Il se passe quoi ici? On est en train de chercher à localiser le taxi. Ça risque d'être un problème ça. J'ai trop faim moi. Guys, I can't do this. I can't be doing this. And we are here. C'est hyper beau. Je se ferme. C'est hyper beau. Bravo, je vais vous montrer bien le décor, obviously. Et l'hôtel ça pète, hein, ça doit vraiment être cher. So, quick update guys. Donc au final, le Skybar où on veut aller, c'est effectivement là-bas. But they don't serve food comme Kelly le pensait. Du coup, on a marché vite fait, alors on est même pas loin de l'hôtel. Et on s'est assis genre un snack, hein, c'est un snack. And we're just eating, on a pris our food. Moi j'ai pris des chicken wings. Elle a pris des sweet potatoes, some bread, et après des wraps. Donc voilà. On va manger et puis on va remonter chez Skybar et puis on va prendre des photos là-bas. And then we're gonna go home and chill. Qu'est-ce demain? Grand jour. Et là on doit pack today, so. Voilà, bisous. Du coup, comment vous dire que là, ben on a fini de prendre nos photos. On les a prises là. Perso, je suis pas fan de mes photos du tout. Je suis pas fan. Explique pourquoi. Je suis pas fan parce qu'en fait j'ai bronzé, donc je suis devenue noire et tout, which I love. Non, ce que je mets ma poudre et tout nana, c'est toujours clair. C'est mon ancien teint, tu vois. Donc j'aime pas trop comment ça donne sur photo. Je crois que je dois avoir un peu monter ça, genre make myself a little bit darker, I guess. C'est dommage. Mais sinon voilà, c'est pas grave. De toute façon, j'ai d'autres photos qui sont aussi plutôt mignonnes. Et je pense que le plus important, c'est vraiment have fun. Là, on attend le taxi. Normalement, il est dans une heure. And I'm going home. Dans une heure. Et dans une minute. Yeah, il est fin de la vie. And I'm going home parce que on est encore pack. Sauf que les habits qu'on met demain. And ah, il est là. Donc depuis là tout le temps on fait des photos, il y a des gars qui nous appellent et tout vraiment. Si vous êtes belle ici hein, ça va être compliqué pour vous. Bref les gars, je vois qu'on est à l'hôtel. Et voilà, on voit plus tard. Bisous.
Hey guys, j'espère que vous allez bien. Attendez, je m'assois parce que la chaleur qu'il fait là, c'est très grave. Hein, je te jure, genre, tu, remontes, tu peux vraiment t'évanouir, il fait hyper chaud. Dernier jour à Malte. Aujourd'hui, on va faire quoi? Aujourd'hui, on va. Comme notre vol il est à 17h, on a encore quand même toute la journée parce qu'il est presque midi. On va aller visiter la ville, on va aller visiter Valletta. De base, on voulait faire ça hier, mais on était KO. Quand je vous dis qu'on est rentré hier, on a. Déjà, hier, on n'a même pas clôturé le vlog, je suis désolée pour ça, les gars. Oh, t'as plus clôturé. Non, j'ai oublié. De base, Kelly voulait pas clôturer. Enfin, elle a dit qu'on allait faire ça demain et tout. Moi, j'ai dit non, moi, je clôturerai quand même mon vlog et tout. Maintenant, gars, j'ai éteint le mien, je me suis endormie. Oh, for God, j'ai vu de même. Gars, j'ai même préparé la caméra et tout, j'ai oublié. Donc, yeah. Hier j'ai oublié de clôturer, je suis désolée les gars, mais voilà. Aujourd'hui on va aller visiter Valletta et puis vers 14h on va revenir, on va se changer et puis go to the airport. It's gonna be so sad to actually leave. Je vous montre encore une dernière fois la belle vue qu'on a parce qu'on va check out en fait. Vous avez vraiment bien kiffé le vlog. Moi j'ai kiffé le filmer. Je vais essayer de la sortir le plus vite possible. Hein. Et par contre, j'ai oublié de vous montrer le plus important, c'est mon haut OOTD en fait. C'est le plus important. Bah oui, c'est cette robe qui vient de Chine. Elle est trop trop belle. Elle est bien longue, elle descend jusqu'en bas et tout. Voilà, c'est tout ça. J'ai pris mon petit sac noir qui vient, je crois, H&M. Et puis mes pattes claquettes noires aussi qui viennent aussi de Shein. Et on va partir, les valises sont prêtes. Donc, let's go. Guys, en fait, je vous ai pas montré le lounge de l'hôtel, hein, je crois. Tu m'as pas montré un petit deal aussi. Tu portes quoi? Shein bodysuit, Shein skirt, Shein babouche. Shein. En fait, ce vlog il a été sponsorisé par Shein. De ouf. Ok, the Uber is there. En fait, après j'avais grave envie de boire un Red Bull là. For a little bit more energy, but je crois qu'on va aller boire un truc là-bas. Bref, là on va à Valletta. Et comme vraiment on a même pas encore vu la ville, hein, donc si on trouve un truc local et tout pour manger, on avait même demandé au chauffeur s'il y avait des trucs locaux ici, à manger. And il avait dit quoi? Ouais, il avait dit pastries. Il avait dit donc des sucreries, ou comment on avait appelé sur les gâteaux et tout ça. Ouais, des sucreries. Ouais, des sucreries. Et une pâtisserie. Pâtisserie. Voilà. Mmh. Et il avait dit la viande de cheval, on était en mode. La viande des snakes. le serpent. Il nous a cité des trucs, t'as peur. Mais il a dit que à skip le cheval, ça goûte le poulet. Et j'avais déjà entendu ça en plus. Mmh. Donc voilà, Yasmine va goûter et puis elle va nous dire quoi. Le cheval, pardon. Là, on va à Valletta et on vous dit quand on est là-bas. Donc voilà, puis les gars, dis bye bye nous. Nous sommes arrivés à Valletta. C'est hyper hyper beau, il y a les palmiers et tout. On est arrivé, par contre, on sait pas trop où on va aller. Cause, ben, on connaît pas. Hein, les gars, j'aime pas mes cheveux aujourd'hui. Vous voyez, j'ai laissé la ligne au milieu et j'ai tiré ça comme ça. I don't know if I like it. J'étais vraiment interrompue, mais. Voilà. Mais oui, like. Attends, il faut qu'on réfléchisse où ça on va. Change, hein. Ça, on nous arrête parce que we jaywalking. Hey. On va marcher vers là-bas. Ceci. What's up? C'est hyper, hyper beau. Ici, il fait pas trop chaud parce qu'on est dans l'ombre. Je suis sûre que quand on va dans le soleil. Ça, c'est nous seulement. Trop parler fort. It's really nice. Ah, c'est trop beau ici. J'ai grave envie de prendre une glace. Hier j'avais pris une glace, tout si je vois des glaces, moi je prends une glace. Et je pense qu'on a trouvé un stand où on peut. Ice cream! Yes, where we can get ice cream. Oh, this is gonna be so cute for the thumbnail! Thank you! Et non, ça c'est pas. Et puis pourquoi vanille c'est jaune comme ça? Non, I'm gonna get vanilla and Nesquik. Tu vas aller avec une caméra manger, c'est pas facile hein, les gars. Ah, j'ai un peu m'asseoir là, on va manger une glace. Hey, baby.
my baby, my sweetie, my baby, my lover. Your hair and face, it be so lovely. My baby got style and it's all for me. But she wants a boy who dey chop money. But she wants a guy who dey pop molly. She wants a guy who dey chase his dreams. So tonight, tonight, let's make his story. Get your body, body, mega dance like this. Get your body, body, mega dance like this. Now sucky, sucky, make it move like this. See your loving, they make her fall for you. Wanna take your hand and be your man, so let me love you. And there's nobody else, nobody else. Now it's only you. So, on est toujours en train de se balader. C'est magnifique ici. Après, il fait vraiment, mais vraiment, vraiment chaud. Yeah. C'est vraiment beau ici. Donc voilà, on profite. On va bientôt devoir partir dans peut-être 30 minutes et tout. On va appeler le taxi pour déjà retourner. Parce qu'après, on doit se rechanger. Parce que là, on est en robe et tout. Mais on va mettre un truc un peu plus à l'aise pour dans l'avion. On est en train de profiter des derniers moments ici à Malte. Hein. C'est trop, trop grave. Mais bon. On a fait le petit tour un peu de Valletta. Je suis sûre qu'on n'a pas vu tout, bien sûr, parce qu'il y a encore la cathédrale qui est là-bas, par exemple. Donc on n'a pas tout vu, mais on a quand même vu. Enfin, on est quand même rentré dans les petites ruelles et tout pour voir comment c'est là-bas, parce que c'est un beau tour de la ville et tout. Mais on va aller voir ça aussi. Comme là, on n'a pas trop le temps, c'est vraiment dommage. On doit déjà rentrer vers l'hôtel, donc j'ai déjà pris le Uber. Il arrive là dans 3 minutes. Quand on arrive là-bas, ben on se change. Je pense que je vais boire un petit verre quand même quand on arrive à l'hôtel. Et après ça, on se casse, hein, on va partir. C'est trop dommage. Mais voilà. On a kiffé de ouf. J'espère que vous avez quand même un peu vu la ville, que vous aimez bien, que ça vous motive aussi de venir voir la ville et tout. Nana. Il y a des petits magasins où vous pouvez aller acheter des habits. Et vraiment, ça peut vraiment être cool. Donc voilà. On se voit à l'hôtel. Yes, nous sommes arrivés à l'hôtel. On va prendre nos affaires, on va se changer parce qu'on va pas comme ça. On va pas reprendre l'avion comme ça en fait. On va mettre quelque chose un peu plus comfortable. Et on a un peu de temps donc on va prendre un petit verre. Et if they have something to eat, aussi quelque chose de petit, genre un sandwich, un truc comme ça. Ouais. Et puis on va y aller. On a presque envie de se cacher sous les tables. Sur 10. De tuer ? Ouais. 10. Je te jure. 9.5. Le hier là avec les insectes. Ouais, on a eu un peu un débrouillé, mais après je pense que c'est normal dans une. Like, quand tu vas quelque part, tu peux pas ne pas avoir du bruit. Non, j'avoue. Moi aussi, je donne un 10. Vraiment, c'était vraiment bien. C'est pas cher, c'est. Like, it's easy to come here. Les gens sont hyper gentils. Si tu parles anglais, you can talk with everyone. Like. Donc. Il y a énormément de francophones. Il y a beaucoup de francophones. Venez. Venez. Et faites des activités. Sortez, oui, c'est important aussi de voir la nightlife. Mais visitez la ville, tout ça, tout ça. Donc voilà. On va changer et puis on se voit plus tard. Bye.